Hello everyone, I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. What you just saw was the first trailer for Monster Hunter Rise, Sunbreak, the massive expansion for Monster Hunter Rise. Our friends at Capcom are working on many new elements that will enhance the experience for players of Monster Hunter Rise, including new stories, locales, monsters. And, although not touched on in the trailer, new hunting actions and quest rank. Monster Hunter Rise, Sunbreak, is scheduled to release as paid DLC in summer 2022. Alors, donc du coup, on va voir quand même la suite. Party during the day. Alors, un jeu pour lui peut-être non? It's almost time to party. Donc Mario Party Superstar, ça avait déjà été annoncé en fait, hein. Along with Spaceland and Peach's birthday cake, several other boards make their return. Take a stroll around Woody Woods, but watch out for those Monty moles. They'll change the board's direction when you least expect it. Travel between two islands and Yoshi's Tropical Island. Toadette's got the star, but she might swap places with Bowser at the last second. Party day and night in Horrorland. Wow, c'est chouette là. The statue is harmless during the day, but at night, it'll swipe stars from unsuspecting players. Need a break from boards? Head to Mount Minigames and play. Est-ce que je ferai pour le Monster Hunter, hein, j'insérerai au début de la vidéo la vidéo sur le Monster Hunter, sur le jeu Monster Hunter. Mount Minigames will have 7 courses available. Donc 7 aventures différentes, ok. Donc on peut jouer en ligne, ouais. Bon, c'est l'air chouette ceci dit. Les petits graphismes sont bien sympas. Mario Party Superstars launches on Nintendo Switch October 29th. Donc le 29 octobre sur Nintendo Switch. Donc on peut pré-code directement déjà sur le Nintendo eShop. Alors un nouveau RPG vient jouer carte sur table. Welcome to Voice of Cards. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que j'en ai déjà entendu parler de ça. Hein. Bon, c'est pas Yu-Gi-Oh! Hein, mais sûr, qu'il y aura un jeu Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas ça. Voice of Cards. Hein. Ou alors, ça me rappelle un autre jeu, mais. Non, je pense que je confonds, je crois pas qu'on en ait entendu parler de ça en fait, ça me parle pas finalement. D'accord, donc en fait ça permet de revisiter pardon, les jeux de rôle de table en fait, hein, les jeux de table. Avec des petites animations là, genre les flèches décochées, ça peut être sympa. Bah, ça peut être sympa, ça, voilà, ça imite un peu les jeux sur table. Pour ceux qui les connaissent pas, comme moi, j'avoue, j'ai jamais vraiment joué. Pour pas dire pas du tout. Donc ça peut être une première initiation, en fait, pourquoi pas. Ah, il y a une démo qui est dispo après la présentation, dans une bonne demi-heure. You awaken in a hotel room in the city of Revachol, devoid of your memories. Soon, you learn that you're a detective and get entangled in a strange murder case in the groundbreaking role-playing adventure Disco Elysium, The Final Cut. As you interrogate people and uncover clues, internal dialogues will begin. Bon, ça j'avoue, c'est pas forcément... Même si j'ai jamais trop testé, mais c'est pas tellement quelque chose qui m'attire plus que ça, les jeux de ce style-là, en général les jeux plus action, les jeux japonais, les JRPG, action RPG aussi, jeux de combat, jeux de plateforme aussi. Ça, c'est un peu moins mon truc. Après, bon, pourquoi pas, hein, faut voir. Hein. Ok, donc d'abord la version des maths et ensuite en 2022 la version physique. Ah, Hyrule Warrior, l'ère du Topaz extension.
Alors j'avoue, Hyrule Warriors, j'ai juste fait la démo, qui était très sympa hein, d'ailleurs. Mais bon, après on peut pas tout faire non plus. Mais la démo est très très sympa et franchement le jeu est très beau, très fidèle à Breath of the Wild. Hein. Et c'est Koei Tecmo hein, qui a développé le jeu d'ailleurs. Bon, ce qu'on voit, ça a l'air sympa, mais ça me dit pas vraiment ce qu'il y a dans le pass d'extension. Même si le détail avait déjà été le contenu avait déjà été détaillé, hein, il me semble bien. Bon, c'est sympa, il y a de l'humour. Donc je pense que c'était des nouveaux personnages jouables, non? Alors le vague 2, le gardien de souvenirs, ouais. Donc nouveaux épisodes, nouveaux stages, bon ok. Bon, il y a assez détaillé, hein, tout le monde a le détail. Ah, il y a des chocobos? Une course de chocobos? Chocobo GP, oh! Ça peut être sympa ça! Comme un Mario Kart, mais avec des chocobos. Et ouais, des persos de Final Fantasy en fait. J'ai vu le personnage de FF9, là, le magicien, là. Divi, je crois. Ah, d'accord, il y a des pierres, des magilites. On peut lancer des sorts. Oh là là, brasier ou aéro. Ah, d'accord, et si on cumule plusieurs, genre, plusieurs flammes, ou magilites de feu, là, ça fait une plus grosse flamme. Ah, c'est sympa. Chaque roi possède une technique unique. Utilisez-la au monde, ouais. Engine customization options will be available, as well as local and online multiplayer. Moi, je la connais pas. Up to 64 players can compete. 64 joueurs peuvent participer à des tournois, ouais, d'accord. Mais je sais pas si c'est vraiment des persos ultra connus de Final Fantasy. J'ai vu Vivi, le Chocobo. Après, j'ai pas trop reconnu les autres. Ouais, franchement, le Chocobo GP, ça me tente bien, ça. Ça peut être sympa ça. Ah, quelques nouvelles du dernier combattant de Super Smash Bros. Smash Bros Ultimate, pardon. Ça, ils adorent Nintendo faire des focus sur les Smash Bros, sur les personnages de Smash Bros. D'accord, donc en fait, il sera présenté le 5 octobre, ok, à 16h. Et ça fait 3 ans que le jeu est sorti. Ça serait bien si ça pouvait baisser un peu de prix. J'ai jamais joué, j'avoue, j'aimerais. Je suis pas assez tenté, mais oui, toujours à plein pot. Hein. Passons à la suite. J'étais un peu trop rapide. Je claque mon mien des doigts. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Parce que d'ailleurs, j'ai vu qu'en rumeur, il y aurait peut-être un jeu Kirby annoncé. Et aussi Xenoblade 3, peut-être, hein. Ça pourrait être peut-être l'occasion de le montrer, mais c'est pas ça. Alors qu'est-ce que ça peut être? Un jeu Donkey Kong, peut-être, non? Donc, il y avait des plantes exotiques. Alors, peut-être un jeu Donkey Kong, hein. Ah non, donc le jeu Kirby. Apparemment, c'est Kirby là, qui est échoué, voilà, c'est ça. Donc effectivement, les rumeurs disaient vrai. Il y a bien un jeu Kirby qui serait présenté au Nintendo Direct. Kirby et le monde oublié. Bon, c'est mignon. Après, je vous avouerai... J'ai pas tellement d'affect avec la licence Kirby, j'ai pas tellement joué à des jeux Kirby. Hein. Je crois que j'ai testé peut-être une démo sur un jeu Switch, hein, ensemble. J'ai déjà plus de jeux en retard des Mario à faire, des Zelda aussi, donc j'ai vraiment trop de retard. Entre les jeux Switch et les jeux PS4, franchement, faudrait des journées à rallonge, hein. Faudrait des journées de 100 heures pour
pour s'en sortir, pour tout faire. Vu que les jeux sont de plus en plus longs, c'est bien, hein. Voilà, on en a pour notre argent, mais du coup, après, pour... à moins de pas travailler... Et là, c'est... Voilà. C'est un peu compliqué. Bon, après, ça a l'air chouette, hein, mais voilà. Il lance de la glace, du feu, il a une carapace... Donc, il a l'air d'avoir des petits pouvoirs stylés, hein, j'ai l'impression. Kirby, le monde oublié. Après, pourquoi pas, hein, faudrait tester, hein, franchement. Why not, hein, mais bon, après, c'est toujours un problème de temps. Printemps 2022. Donc, c'est pas trop loin. De toute façon, là, c'est les jeux qui vont sortir soit en fin d'année, soit vraiment le premier trimestre ou le premier semestre 2022. Hein. Je pense pas qu'ils vont aller ultra loin. Ou peut-être vraiment des choses fin 2022, mais pas plus loin, dans tous les cas. Ils vont pas parler de 2023, c'est assez évident. Donc il y a des ruines d'anciennes civilisations, ouais. Quelles nouvelles aventures attendent Kirby ? Et il y a 40 minutes, hein, le Nintendo Direct dure 40 minutes. Alors là, qu'est-ce que c'est ? C'est pas du Animal Crossing, ça, non ? J'ai pas fait Animal Crossing, mais bon. Animal Crossing, mais ça a vachement cartonné. Hein. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Ouais, c'est ça. Plus de détails sur le nouveau contenu en octobre. Il y aura un Animal Crossing direct. C'est-à-dire que... On peut dire que le jeu a bien cartonné, franchement. Il y aura du nouveau contenu gratuit en novembre. Donc pour ceux qui ont le jeu, si vous êtes fan, vous allez être aux anges bientôt avec des annonces en octobre, avec donc des détails sur les nouveaux contenus, et qui arrivera du coup en novembre le contenu gratuit. Donc la date précise sera communiquée prochainement. Ah oui, de toute façon c'est en octobre, donc on est fin septembre, donc effectivement ça sera communiqué très vite. Alors, deux jeux, une mise à jour et des tonnes de fun. Ah, Mario Golf Super Rush, du nouveau contenu gratuit arrive pour Mario Golf Super Rush. Koopa débarque sur le fairway, ouais, comme nouveau personnage jouable. Ouais, mais le jeu il peut être fun, hein, j'ai pas testé non plus, hein. Franchement, j'ai tellement de jeux à faire et il y aurait tellement à acheter. Après, bon, il y a plein de temps, mais il y a plein d'argent aussi, malheureusement. C'est pas gratuit tout ça, c'est pas gratuit. J'ai pas mal de jeux en retard, et là je suis sur Tales of Arise, hein, sur ma chaîne là. Il y a des premières vidéos déjà dispo et il faut que je continue le jeu, que j'aime beaucoup, mais plein plein de temps aussi. Mais je continue à faire les vidéos. Hein. Alors là c'est quoi, Bandai Namco avec un jeu Disney. D'accord, donc c'est un peu style Animal Crossing, mais version Disney, si je comprends bien, non ? Disney Magical World 2, Uncharted Edition. Ok, bon, why not, après tout, moi Disney j'aime bien. Ah, un jeu Star Wars culte arrive, donc Knights of the Old Republic, mais c'est un jeu d'une vieille console, j'ai l'impression. Parce que c'est pas très beau, hein, pour être franc. Ça fait quand même époque PS2, hein. Ou vraiment tout début PS3, mais peut-être un jeu de GameCube, je sais pas. Après, c'est toujours bien d'avoir un jeu Star Wars, hein, bien sûr. Peut-être que l'histoire est intéressante, je sais pas, je connais pas le jeu, hein. Mais bon. Là, on est très loin quand même des graphismes de nouvelle génération, ou même génération PS4, voilà. Alors. Donc c'est une version cloud de Dying Light 2. Moi, je suis pas trop survival horror. J'avais juste fait le premier Resident Evil à l'époque, hein, quand il était sorti en 96. J'avais adoré, hein, franchement, j'avais adoré. J'avais commencé à refaire la version remake, c'est pas un remaster, ils ont quand même refait les graphismes. Hein.
Je suis pas allé au bout, et je continue d'ailleurs, sur PS4. Mais sinon, globalement, bon, à part Resident Evil, qui est un peu particulier, j'ai gagné mes films aussi. Enfin, mes premiers, en tout cas, j'ai pas vu les autres. Mais bon, globalement, je suis pas sur le jeu à l'horreur. Moi, je suis plus, voilà, truc un peu plus fantasy, un peu plus cool, quoi. Un peu Final Fantasy, Zelda, des choses comme ça. Le pragmatisme, l'éthique ou la liberté. C'est pas Project Triangle, voilà. Triangle Stratégie, voilà. J'avais un petit peu fait la démo, le début de la démo. Et c'était pas mal. Faut que je refasse en entière, en fait. Hein. Parce qu'elle était un petit peu longue. Mais c'est avec les graphismes, là, Octopath Traveler. Hein. Et c'est vrai que c'était il y a... C'était il y a déjà plusieurs mois, ouais, qu'elle était sortie cette démo là. C'était en février, d'accord. Ouais, ça fait déjà plus de 6 mois. Ils ont fait une enquête après la version démo, ouais, ok. Donc ils ont fait des améliorations. Le jeu est beau, hein, franchement. C'est un jeu tactique. Tactical RPG, hein. Et franchement, c'était sympa, hein, la démo. Même si du coup forcément c'est pas représentatif vu qu'ils ont progressé. Ah, donc du coup on a une date de sortie le 4 mars 2022. Donc ça, c'est à surveiller. Précommande disponible après la présentation. Enfin, peu après. Okay. Il y aura une édition physique spéciale qui inclura le jeu, 6 dés personnalisés, un jeu de cartes, un steelbook, un poster réversible. Et j'aime bien la boîte spéciale, elle est jolie, hein. Elle est très chouette, hein. Ça fait un peu comme un livre de sortilège ou un coffre au trésor un peu. Ah, alors ça c'est le prochain Metroid. Metroid, Dread, je sais plus quoi. Peut-être que c'est tout simplement Metroid Dread. Qui va sortir, oui, voilà, bah, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai voulu me compliquer la vie. Donc Metroid Dread qui sort, je crois, le 8 octobre en même temps que la Nintendo Switch OLED. Hein, c'est pour accompagner le lancement de la Switch OLED. Ah, ça a l'air joli, hein. J'ai bien aimé le plan contre le monstre là. Avec les tons vert et rouge et bleu. Le jeu a l'air sympa. J'ai jamais fait aucun Metroid, pour être franc. Avec vous. Pourquoi pas, ça peut être une porte d'entrée dans la licence. Et encore pareil, voilà. Parce que moi en octobre, j'ai prévu de faire sur la chaîne Demon Slayer. Qui va sortir mi-octobre. Donc juste quelques jours après. Donc dans tous les cas, je ne pourrais pas tout faire. Mais bon, je pense que c'est un jeu qui peut valoir le coup. Franchement, là de ce que je vois, ça a l'air quand même assez sympa. Donc je pense que beaucoup d'entre vous seront ravis de le faire. Ils l'ont sûrement déjà précommandé. Là, je pense que ce sera vraiment un gros succès la Switch. Hein. Donc une nouvelle mission sur la planète ZDR. Donc objectif déterminé, c'est le dangereux parasite. Ah, je vais trop. Un parasite, découvrir la raison pour laquelle les robots ennemis envoyés pour enquêter ont cessé d'émettre. Ok. Donc il y a plusieurs biomes dans le ZDR, la planète ZDR, ok. Donc avec chacun un environnement et des organismes qui lui sont propres. Évidemment, comme ça, ça permet d'avoir des niveaux variés. Hein. Il y a des ruines de la civilisation Chozo qui sont dessinées, indiquant que cette espèce est autrefois établie sur la planète. Okay. Il y a un site officiel. Tu vas avoir plus d'infos, hein, notamment les plus détaillées des environnements, etc. Donc c'est le volume 8. Hein. Bon, il y a tous les autres volumes de rapports qui sont dispo, ok. Donc c'est ça, 8 octobre. Hein. En même temps que la Switch OLED préco dispo, bien évidemment. Ça, on s'en doutait aussi. Donc là, on est à la moitié, hein. Il est minuit 20, il reste encore 20 minutes. Donc là, il parle du Nintendo Switch Online. Il y aura du nouveau contenu inclus dans un nouvel abonnement. Ah, donc ils vont changer les formules d'abonnement, peut-être augmenter les prix, j'imagine. Alors, qu'est-ce que ça va inclure, le nouvel abonnement? Oh, Ocarina of Time. Oh, c'était mon jeu préféré de la 64.
Il y aura des jeux 64. Aïe aïe aïe. C'est bien ça. Après, il faut voir le prix. J'imagine qu'ils vont monter les prix. Parce qu'on avait déjà accès à des jeux NES et Super NES. Ouais, donc on aura les jeux 64. Ah non, des jeux Mega Drive. Ah, c'est marrant. Putain, ils ont dû faire un bon chèque, comme je pense Nintendo. Oh, Echo le Dauphin. Oh, Echo le Dauphin. J'allais sur Game Gear à l'époque. Je l'avais jamais fini, mais ah, ça peut être bien ça. Ouais. Au même prix ou pas? Ouais, Nintendo Switch Online plus pack additionnel. Mais est-ce que le prix augmente? Fin octobre, ok. D'accord, donc l'abonnement actuel restera toujours disponible. Donc je pense qu'il sera un peu plus cher du coup. On peut me dire quoi, donc ce sera une formule sûrement un peu plus chère. Ce qui est logique, hein, vu qu'il y a du contenu en plus. Mais là, j'avoue que je serais assez tenté. Ouais, donc ils ont peut-être pas encore fixé le prix. Ouais, la date de lancement exacte ainsi que les tarifs. Donc ils en parleront. Ça fait octobre. Parce que la formule actuelle, c'est 19,99. Donc au lancement, on pourra jouer à ça. Super Mario 64, Mario Kart 64. J'ai pas vu. Non, j'ai pas tout vu. Il y aura Echo le Dauphin, Shinobi, Golden Axe. Oui, ils offriront le catalogue avec d'autres jeux 64. Il y aura Majora's Mask, Diz, les malins, F-Zero-X, Mario Golf, Kirby, Crystal Shards, Pokémon Snap. Il y avait un Pokémon Snap déjà, d'accord. Paper Mario. Rah, ils sont malins, Nintendo, ils sont malins. Ils savent comment nous faire passer à la caisse. Hein. Ah d'accord, et des manettes spéciales. Oh là 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 là. Des manettes sans fil, ok. 50 balles, ouais. Bravo Nintendo. Ah, ils sont forts. Ils sont forts, c'est Nintendo. Bon, je pense que le nouvel abonnement... Vu que la formule de base est 19, le Switch Online, je pense pas qu'ils vont pas doubler. Ça m'étonnerait. Mais je pense que ça sera soit 24 ou 29. Peut-être plutôt 29. A voir. Mais je pense pas qu'ils vont les mettre à 40 quand même, ça ferait cher, tu vois. Cyberpunk meets fantasy in this three-game collection of cult classic RPGs. Donc il y a une collection de 3 Shadowrunner mercenary, you'll explore a dystopian future where magic has reawakened and fantasy creatures have come back to life. Ouais, ça a l'air intéressant, dit comme ça. Skill-based character growth and gripping turn-based tactical combat await Shadowrun trilogy launching on Nintendo Switch next year. Pardon les amis. Ah, Konami, donc il y a... C'est quoi, c'est une compile Castlevania, j'ai pas vu, c'est pas vite en fait. Ouais, graphisme beau à en mourir. Ouais, c'est une collection, Advance Collection, donc il y a plusieurs Castlevania. Castlevania Advance Collection. Donc il sera dispo un petit peu après la présentation. Ah, Zelda, non? Non? Ah, Treasure, mais la musique faisait penser à Zelda. À Zelda. Donc c'est un Act Treasure. Le titre me parle, hein. J'ai dû peut-être jouer quand j'étais plus jeune. Ah d'accord, il y a deux phases, il y a des phases d'action de côté. Ils ont l'air sympa. Effet de prospérer les terres libérées lors des phases de développement. D'accord. Donc il y a des phases d'action et des phases de développement. Ça c'est intéressant. Ça m'intéresse. Et genre si c'est pas un jeu qui carrément un remake, hein. Parce que je demande si c'est pas une vieille licence, hein, Act Treasure. Hein.
Les nouveaux stages et boss seront au rendez-vous, ok. Renaissance. Ouais. Disponible peu après la présentation sur le Nintendo eShop. Donc il n'y aura peut-être pas de version physique. Ça peut être intéressant ça, Actraiser Renaissance. Hein. Alors, Deltarune. Donc un nouveau chapitre va s'ouvrir. C'est quoi ça? Je connais pas. Inconnu bataillon pour moi. Chapter 2, ouais. C'est quoi? Alors ça les amis, je connais pas du tout. Ah je sais, je suis complètement largué là, je sais pas ce que c'est. En commentaire vous allez peut-être me dire mais tu connais pas, tu connais rien. Bah je ne connais pas tout, je connais pas tous les jeux. Là vraiment, je sais pas du tout de quoi il s'agit. Moi pour être franc, je vois pas du tout de quoi il s'agit. Donc Deltarune, Chapter 1 et 2, ouais. Et même le nom Deltarune ne me parle pas du tout. Donc pareil, hein, dispo après la présentation. Ah! Donc là, alors on a vu Shin Megami Tensei et d'autres jeux. Peut-être c'est les prochains jeux qui vont arriver bientôt. Peut-être... voilà, donc on aura Hot Wheels Unleashed le 30 septembre 2021. Donc avec les petites voitures, hein. Surviving the Aftermath Ever 2021. Donc, en train de suggestion. Voilà, Shin Megami Tensei, 12 novembre 2021. Que je ferai sous la chaîne. Parce qu'il me donne vraiment envie ce jeu. Depuis un petit moment que j'ai vu des trailers, je le ferai en let's play sous la chaîne. Avec grand plaisir. Donc, à partir du 12 novembre 2021. Donc, là, je vais enchaîner. Hein. Tales of Arise, je continue et je le finirai. Ensuite, j'enchaînerai avec Demon Slayer mi-octobre. Et ensuite, du coup, mi-novembre, avec Shin Megami Tensei. Et pour la suite, on verra. Ah oui, tout se passe bien. Franchement, je trouve que la présentation est pas mal pour l'instant. J'aimerais bien avoir des nouvelles de Breath of the Wild 2, hein, malgré tout. Super Mario Brothers の映画を怪盗グルーやシングなどで知られるハリウッドの映画スタジオイルミネーションさん、そして CEO でありプロデューサーのクリス・メルランドリーさんと制作していることはお知らせしてきていましたが、ah, oui, 今日はそのマリオの映画の公開時期をお伝えしたくてやってきました。Ah, la date de sortie au cinéma。じゃじゃーん。公開は2022年のホリデーに決まりました。Fin 2022。Donc c'est loin encore。北米では12月21日。21 décembre 2022 en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Japon, Europe, c'est pas encore. Les autres territoires, c'est pas encore défini à la fin. Okay. Ouais, faut attendre encore plus d'un an, quand même. Alors, le casting de la version. Oh, anglaise! Mario, ça sera Chris Pratt, la voix de Chris Pratt. C'est marrant. Ah, mais il est cool, ouais. Dans les gardiens de la galaxie, il est cool, ça c'est clair. Il y a un petit air d'ailleurs avec moi, non? Vous trouvez pas qu'il y a un petit air? Mais de très loin, on était dans la lumière. Alors, Anya, je ne sais pas qui c'est. Anya Taylor Joy, je la connais pas. Elle va doubler la princesse Peach. Luigi sera doublé par Charlie Day. Je ne sais pas qui c'est lui. Je ne connais pas. Alors lui il me dit quelque chose. Bowser sera incarné par Jack Black. Alors lui il me parle mais je vois plus dans quoi je l'ai vu, mais il me dit quelque chose. Keegan Michael Key. J'ai peut-être vu dans quelque chose mais je ne m'en plus dans quoi non plus. Seth Rogen. Je vois pas qui c'est. Et puis il va doubler Donkey Kong. Sean Martin. Alors je connais personne à part Chris Pratt, je connais personne. Bon. Alors vous, peut-être que vous les connaissez, hein, mais dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous les connaissez, dans quel film ils ont joué ou dans quoi, qu'est-ce qu'ils ont doublé peut-être. Ah, pareil, eux je les vois pas du tout, je vois pas qui c'est ces mecs. Bon, c'est pas grave, de toute façon ce sera des voix. Principal, c'est de voir ce que donnera le prochain film Mario.
Oui, forcément, le processus créatif est différent de celui des jeux. Forcément, on n'aborde pas un film au ciné comme un film, même un film d'animation, comme on aborde un jeu. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer maintenant? Ah, c'est du Splatoon. Donc c'est quoi, Splatoon 3 maintenant, non? Alors ça, pareil, pour être franc, j'ai jamais joué. Mais je sais que ça a cartonné, hein, les Splatoon. Ça cartonne. Mais moi, je suis pas tellement jeu... Déjà, je suis pas tellement jeu en ligne. Je suis plutôt jeu, voilà. Jeu hors ligne. Jeu solo. Donc forcément, ça, c'est des jeux par équipe. C'est un peu plus compliqué, même si ça peut être marrant à tester, hein, je suis sûr. Hein. C'est, voilà, c'est comme du paintball, hein, finalement, voilà. Même si, voilà, c'est pas aussi, aussi simple que ça, entre guillemets. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est Splatoon 3 ou est-ce que c'est peut-être une mise à jour de Splatoon 2? Ou Splatoon 2 est sorti depuis longtemps, je crois, déjà, quand même. En tout cas, gros focus sur, sur Splatoon, là. Gros trailer. Donc Splatoon 3, on voit le 3. Hein. Splatoon 3, ouais, effectivement. Et est-ce qu'il y a une date de sortie? Peut-être après une dernière petite séquence marrante. Le retour des mammifériens. D'accord, bon. Ça va vous parler à vous qui avez fait les autres Splatoon, sans doute. Hein. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. D'accord, il travaille au laboratoire de recherche des calamars. Okay. ただいまご覧いただいたのは Splatoon 3 に関する最新の詳細です。これまでに発表しているのを少しだけおさらいしておきましょう。 Splatoon 3 の舞台となっているのは、バンカラ地方。本当の町と呼ばれる。バンカラ地方は、新しい海洋生物が、海の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 生物が、
Qu'est-ce que c'est? Ah, Final Fantasy, non. Ah non, c'est pas... Qu'est-ce que c'est? Il y a un robot géant. Je sais qu'il y aura un remaster de Crisis Remastered, là, mais c'est peut-être pas ça. Enfin, en tout cas, en trilogie, hein, il y a déjà eu le premier. Hein. Mais ça doit être autre chose, hein. Faire avec un monstre comme ça. Je sais pas du tout ce que ça peut être. En tout cas, le monstre, il fait plaisir. Là. Franchement, là, les militaires, ils ont du mal. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, les amis? Qu'est-ce que c'est? Ah! Bayonetta 3, non? Le truc dont on parlait depuis des années qui ne venait pas, apparemment, c'est ça, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, Bayonetta 3. J'ai jamais fait les autres, mais effectivement, elle, voilà, je voyais à quoi elle ressemblait. Donc c'est clair que c'est Bayonetta 3. Hein. C'est une sorcière, hein, une sorte de sorcière, je crois. Hein. Donc pour les fans, ben, je suis content pour vous, franchement. D'ailleurs, peut-être que ça peut être un jeu sympa à faire, hein, franchement, faut voir. Même si je suis pas... graphiquement, je trouve pas ça ouf, en fait, quoi, franchement, honnêtement. Après... Bon, là, c'est sympa, ça transforme en papillon. Donc, ouais, elle aura peut-être des transformations. Ça peut être sympa, par contre. Après, là, c'est une séquence de jeu. C'est sûrement en cours de développement. Donc, ça peut être amélioré aussi. Il y a peut-être d'autres... Il y aura sûrement d'autres séquences. Avec d'autres environnements, peut-être plus beaux aussi. Donc, là, par contre, elle a l'air d'avoir des pouvoirs stylés, par contre. Elle peut se transformer... Oh! Elle se transforme en dragon. Oh! Ah, d'accord. Je reviens sur la décision. Ah non, ou elle invoque un dragon. D'accord, elle invoque un dragon. Et en fait, elle reste au sol, elle le dirige en faisant des mouvements. Ça peut être stylé quand même. Invoquer un peu à la Bahamut, hein, comme dans Final Fantasy un peu là. Ça, j'avoue, ça peut être sympa. Alors, soit c'est le stream, la vidéo de Nintendo qui est pas au top parce que ça pixelise un peu. Parce que les autres vidéos, ça passait bien, donc bon, je sais pas. Faudrait en voir plus. Mais le coup d'invoquer un dragon et compagnie, bon là, c'est assez impressionnant, par contre, c'est... Mais juste en termes techniques, là, mais faut voir si c'est... Ça vient pas de la vidéo de Nintendo aussi, qui est pas au top. Hein. Platinum Games, ouais, ok. 2022. Bon, peut-être pas en début d'année, hein. Rêvons pas. 2022, pourquoi c'est coupé, 2022? En fait, ils vont mettre 2023, finalement. Bon, 2022, hein. Le personnage qui a dû couper la date, c'est sûrement un personnage connu de la licence, j'imagine. Et le jeu avait été annoncé en 2017. C'était bien ce qui me semblait, c'est que ça avait été annoncé il y a longtemps, ouais. Donc, il sortira l'an prochain. Donc ça, c'est cool. Ça peut être peut-être bien, hein, franchement. Et d'ailleurs, je me demande si le 2... Je crois qu'il était ressorti hein, sur Switch. Il me semble que j'avais vu ça en boîte d'ailleurs. Le 2, il me semble qu'il était sorti. Bon, bah écoutez, les amis, c'est la fin de ce Nintendo Direct. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve qu'il y a eu pas mal de belles annonces hein, quand même, franchement. Là, le Bayonetta, voilà, le Monster Hunter. Même si, bon, j'ai un peu. Voilà. Parce que je voulais diffuser la vidéo en live, mais j'ai un petit problème technique. Ça ne marche pas, donc j'ai fait un vidéo enregistré. Du coup, un tout petit peu à la bourre, j'ai loupé le premier trailer, mais je vais le mettre en tout début de vidéo. Donc ça sera peut-être pas tout à fait raccord, mais bon, voilà, au moins il y sera. Et donc le Bayonetta. Un truc qui m'a bien plu, c'est le Chocobo GP.
Hein, ça, ça peut être pas mal, hein, une sorte de Mario Kart avec les chocobos, peut-être certains personnages de Final Fantasy, enfin, faudra en voir plus, hein, voilà. Il y avait d'autres petites choses qui ne me reviennent plus, mais pourquoi pas faire une vidéo débrief, faudra voir si j'ai un petit peu le temps. Bon, en tous les cas, moi je vais arrêter là pour tout de suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit like, hein. Abonnement, c'est gratuit. Et comme ça, l'abonnement, ça vous donnera, ça vous mettra au courant, pardon, des prochaines vidéos qui seront en ligne sur ma chaîne. Et en plus, c'est gratuit, donc dans tous les cas, voilà. Et voilà, les petits commentaires, comme ça, pour échanger sur ce Nintendo Direct, que je trouvais assez sympa. Hein. Ah ouais, il y a le Actraiser aussi, effectivement, un petit jeu rétro remis au goût du jour. Le Triangle Stratégie aussi, voilà, qui va arriver en mars 2022. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça, sympa. Donc moi, je suis quand même content des annonces. Après, voilà, faut prendre un petit peu de recul. Mais voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, faites partager la vidéo aussi, la vidéo vous plaît, pour faire connaître un peu plus la chaîne. Comme ça, ça donne plus de visibilité à la chaîne. Et écoutez, moi, je vous dis du coup, prenez soin de vous. À très bientôt et jouez bien. A bientôt, ciao les amis, ciao.